Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Comment ça va cette mois de septembre? Mois de l'amour et l'amitié en Colombie. Comment vous allez? Vous allez bien? En forme? Pas en forme? Bonjour Brenda, Adriana, bienvenue à notre cours de français. Je vois pas trop de commentaires. Merci d'être là, Adriana et Brenda. Ah oui, je vois d'autres qui arrivent. Donc, bonjour Hector, Esther, Lady, Felipe. Bonjour, bonjour. Comme je disais, en Colombie, c'est le mois de l'amour et l'amitié. Donc, j'espère que ce week-end qui est passé, vous avez passé un bon week-end d'amour et amitié. Et comme en Colombie, c'est le mois de l'amour et l'amistad, espero que hayan pasado la semana pasada, un fin de semana pasada, un gran fin de semana d'amour et amistad. En France, ce n'est pas du tout le mois de l'amour et l'amitié. C'est quelque chose de colombien. Donc, on va commencer. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont là. Donc d'abord, je veux faire une précision. Celle-là, je veux le faire en espagnol. Entonces, quiero hacer una precisión y eso sí lo voy a hacer en español. Y es sobre los cursos que el consulado de París está haciendo más avanzados y de manera privada. Estos cursos ya se cerraron y se están dando en este momento. Sin embargo, vamos a poner en los comentarios que quedan así como más visibles en el chat el contacto de la Cancillería en París para que si ustedes todavía tienen preguntas y si viven en Francia, puedan enviarles a ellos algún correo y tal vez saber más información sobre cuándo van a poder abrir esta nueva oportunidad. Voilà, donc on va commencer. Ayant dit ça, vous voyez déjà à l'écran, ya ven ahí en la página, en el live, que están poniendo cuál es el correo al que pueden escribir si quieren tener más información. Entonces, vamos a comenzar. Comme d'habitude, je vous rappelle que nous avons un blog, cursdefrancaisenu.blogspot.com. Et maintenant, nous avons aussi un Moodle. Donc, l'idée avec le Moodle, c'est de retrouver aussi les cours qu'on met dans le blog, mais aussi de pouvoir faire des tests autocorrigés et des exercices plus interactifs où vous pouvez, dans la plateforme, vous exercer. Et la idée con este Moodle, además de tener las clases de francés que ya las pueden ver en el blog, es que en este Moodle también vamos a comenzar a poner ejercicios en los que ustedes pueden practicar directamente en la plataforma y obtener un score. Justamente a partir de este sábado, David ya se los dijo, vamos a poner un pequeño test sobre los temas que hemos aprendido en las unidades pasadas para que ustedes ingresen a la plataforma y se inscriban con su nombre y con su correo electrónico, respondan a este test el sábado y las personas que respondan bien y que respondan en lo más rápido posible, es decir, lo ponemos el sábado y el sábado por la tarde ya lo han respondido o desde por la mañana, van a poder acceder a una clase de francés que es en vivo para poder hablar con una de nuestras profesoras de la asociación. Entonces, para que no desaprovechen esta oportunidad, a partir del sábado va a estar el test en el blog. D'accord? Donc, on va continuer. Aujourd'hui, on est à la séance 22. C'est el sábado en la mañana à Chira. Sábado en la mañana. Et la séance 22, nous sommes à la semaine 11 sur 24 de notre cours. Donc, on arrive bientôt à la moitié. Et comme d'habitude, tous les cours sont enregistrés sur la plateforme de Facebook. Ok, on va démarrer avec la révision. Nous allons réviser l'heure et la fréquence. Donc, c'était le thème que vous avez vu la semaine passée, les mardis derniers avec David. Donc, qu'est-ce que je veux avec cet exercice?
Vous allez me dire, avec les phrases que je vous présente ici, vous allez utiliser les bonnes expressions pour parler de la fréquence et de l'heure. En fonction de ce que je vous mets entre parenthèses, je veux que vous me donniez les bons mots à utiliser pour compléter la phrase. Donc, on va faire le premier ensemble et ensuite, vous allez le faire les autres, vous allez me dire. Donc, je travaille 9h, 17h et je veux utiliser les mots qui me permettent de dire une période de temps délimitée. Ces mots sont « je travaille de 9h à 17h30 ». Avec « de » et « à », je donne une période de temps délimitée. Je travaille de 9h à 17h30. C'est une période de temps délimitée. Ensuite, je veux que vous participiez maintenant. La poste est ouverte 18h30. Je veux que vous me donniez les mots pour dire une heure limite. C'est une heure limite. Comment se dice cuando es una hora limite? La poste est ouverte 18h30. Une heure limite. Es la hora limite. Comment decimos? Comment ça se dit? Comment on dit hasta en français? Oui, je vois qu'il y a Carolina, Carolina Gutiérrez. Tu as donné la bonne réponse. Je veux voir si d'autres personnes ont la bonne réponse. Raphaël aussi, Edward, c'est jusqu'à, donc jusqu'à 18h30. Ça c'est jusqu'à 18h30, la poste est ouverte jusqu'à 18h30. Si vous mettez la poste est ouverte à 18h30, ça peut marcher aussi, mais c'est juste, ça n'a pas de sens pour cette phrase. Decir A puede ser correctamente escrito, o sea, está correctamente escrito. Pero no tiene sentido en esta frase porque la oficina de correos no está abierta a las 6:30. Normalmente esa es la hora a la que cierra. Donc c'est pour ça qu'on dit la poste est ouverte jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. Hasta las 6:30. Ensuite, le cours de français commence 2h. C'est une heure exacte. Donnez l'heure exacte. Les cours de français commencent 12h. Qu'est-ce qu'on doit utiliser ici pour donner une heure exacte? Oui, très bien. Donc, c'est A. À 12h. Attention à utiliser l'accent grave parce que si vous ne le mettez pas, on va penser que c'est le verbe avoir. Quand le mot a n'a pas d'accent, c'est une conjugaison de verbe avoir. Donc, il faut toujours avoir les a avec l'accent grave. Nunca se les olvide poner el acento grave en la a si van a utilizarlo como preposición. Porque si lo utilizan solo la A sin el acento es una conjugación del verbo avoir. Il a, por ejemplo. Él tiene. Entonces, atención. A avec l'accent grave. No se les olvide. Ensuite, je vais chez toi 18h30. Une heure approximative. Une heure approximative. Comment est-ce qu'on doit dire quand on va donner une heure approximative? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Quel mot nous devons utiliser quand on veut donner une heure approximative? Ok, je vois. Oui, je vois des bonnes réponses déjà. Très bien, oui, vers. Je vais chez toi vers 18h30. Vers 18h30, c'est à peu près à 18h30. Más o menos, o alrededor de las 18 horas.
Yo voy a tu casa alrededor de las 18 horas, vers 18h30. Maintenant, je veux exprimer donc des expressions de fréquence que vous avez vues aussi mardi avec David. On va voir. Je regarde le foot. J'adore le PSG. Et je vais vous donner une expression pour la fréquence quand c'est fréquemment. Quand quelque chose c'est fréquemment, quel mot on peut utiliser? Quand nous faisons quelque chose fréquemment, quel mot nous pouvons utiliser? Je regarde le foot. J'adore le PSG. Fréquemment, quelle fréquence? Quel mot nous utilisons? Oui, je vois déjà des bonnes réponses. Esther, toujours c'est sans exception. C'est que tu les fais tout le temps. Tu ne les rates jamais. Ça, c'est sans exception. Fréquemment, tu peux dire que tu regardes quelque chose assez régulièrement, mais que quelquefois, tu ne le fais pas. Ok, je vois la bonne réponse. Donc, c'est je regarde souvent le foot. J'adore le PSG. Raphaël, PSG, est-ce Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain es el equipo de fútbol de la capital de Francia. Paris Saint-Germain es el equipo donde juega Leo Messi ahora y Neymar. Je regarde souvent le foot. J'adore le PSG. Alors, la dernière. Je ne regarde le film d'horreur. J'ai peur de ça. Et c'est là, on le fait dans. En aucun cas, nous faisons cela. Si on le fait en aucun cas, ce n'est pas possible qu'on fasse ça. Quel mot nous devons utiliser? Cuando no hay ninguna posibilidad de haber hecho algo. Nous n'avons pas la possibilité de faire cela. Ce n'est pas possible. Edouard, ça c'est toujours, c'est l'antonyme. Et l'antonyme est toujours. Oui, très bien, très bien. Super. Je ne regarde jamais le film d'horreur. J'ai peur de ça. Je ne regarde jamais le film d'horreur. J'ai peur de ça. Nunca. Ne jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Je ne regarde jamais. Attention parce que quand vous allez utiliser jamais, vous devez utiliser le ne. Et ça, c'est une autre type de négation. Esto es otro tipo de négation. Es por eso que hay que utilizar ne. Ne, verbe, jamais. Es como el ne, verbe, pas. Pero es más fuerte. Oui. Je ne regarde jamais le film d'horreur. Esto es una négation. Esther, pa es cuando tú dices yo no veo películas de horror, o sea, no veo, simplemente no lo ves, pero no es tan fuerte, mientras que jamais es que nunca lo haces. Entonces, je ne regarde jamais es que nunca lo vas a hacer. Pa es simplemente yo no veo películas de horror. Cambio que acá tú estás diciendo específicamente que no lo haces nunca, ni nunca lo vas a hacer. Ok, donc on va passer aux suivantes. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Donc, nous sommes le 23 septembre 2021 et nous avons déjà commencé à parler des activités quotidiennes avec David. Donc, nous allons continuer à parler des activités quotidiennes, notamment nous allons parler des tâches ménagères, des activités à la maison, ainsi que des loisirs. Ok, nous allons parler de notre quotidien et plus spécifiquement, nous allons parler des activités à la maison. La vidéo que je vais vous présenter maintenant, c'était une vidéo que David vous a laissée comme devoir le mardi dernier. Cette vidéo que je vais vous montrer, David se los dejó en una tarea la clase passée. Ahora vamos a volver a ver este mismo video, pero vamos a hacer otro tipo de actividad. Je vous invite à regarder la présentation de mardi
pour que vous voyez avec la même vidéo l'activité que David vous avait proposée. J'espère qu'il y en a certains qui ont déjà regardé cette vidéo. Espero que ya haya algunos que hayan visto este video, pues David se los dejó como una tarea la clase pasada. Mais cette fois, nous allons faire une autre activité. Qu'est-ce que je veux? Vous allez regarder la vidéo et vous allez noter les activités que la maman de petit Eric fait. Donc, on va décrire la journée de la maman du petit Eric. Du petit Eric, d'accord? Et vous allez regarder ce qui est dit dans la vidéo et vous allez noter ce que la maman de Eric fait. Quiero que esta vez veamos el video y que vayan a anotar las actividades que hace la mamá del bebé, ¿ok? No, ce n'est pas grave. Si no han hecho la tarea, no hay problema. Lo que yo los invito es que vayan a la actividad, al video del martes y a la presentación del martes para que vean qué actividad les puso David con este mismo video. Así van a poder practicar. Pero hoy vamos a ver otro tema. Alors, c'est parti. Donc, regardez et écoutez. Coucou, c'est moi. Je m'appelle Eric et j'ai 12 mois. Je vais vous raconter ma journée. Oui, je sais, je suis encore très petit, mais je fais déjà pas mal de choses. Je me réveille tous les jours à 8 heures du matin. Je me lève tout content parce que je sais que je vais découvrir et apprendre plein de trucs pendant la journée. À 8h15, je prends mon petit déjeuner tranquillement. J'adore le lait. Ensuite, je me prépare. Je me brosse les dents. J'ai déjà 8 dents. Pas mal, hein? Je me lave, je me coiffe et je m'habille. C'est ma maman qui m'aide. Moi, je suis encore très petit. Après, je joue dans le salon avec mes jouets préférés. J'adore mon nounours. Il s'appelle Léo. Pendant que je joue, ma maman fait le repassage. Après, elle range un peu la maison et puis elle passe l'aspirateur. Elle utilise un appareil très bizarre. Ça fait beaucoup de bruit. Parfois, j'ai peur. Plus tard, à 10h30, on va au supermarché. J'aide ma maman à faire les courses. C'est chouette. Il y a beaucoup de gens. Tout le monde me parle et me fait rire. J'aime aller avec ma maman. Elle m'achète plein de bonnes choses. Puis, on rentre chez nous. Ma maman doit préparer le repas. À 12h30, je déjeune. J'aime bien le plat qu'elle me prépare. Après, ma maman fait la vaisselle et nettoie la cuisine. Moi, je lis un peu. Mon livre préféré, c'est Antonin le Poussin. À 14h, je me couche et je fais la sieste. Je suis petit, alors je dois dormir beaucoup. Ok. Avez-vous déjà noté quelques activités que fait la maman de petit Eric? Quelles activités fait la maman de petit Eric? ¿Qué actividades hizo la mamá del bebé? Hop. Je vous écoute. Je vous lis. Los leo. ¿Qué actividades hizo la mamá? Oui, très bien. ¿Qué más hizo? ¿Quelle d'autres choses elle a fait? Oui. Ok. Ouais, très bien. Oui, elle passe l'aspirateur. Oui, bah, vous êtes très bien, très bien.
On va faire ça. Donc, je vois que vous êtes super. Là, c'est bien. Vous avez capté beaucoup de choses. On va les voir un peu de manière chronologique, comment ça s'est apparu dans la vidéo. Vamos a ver un poquito de manera cronológica como lo hizo ella en el video. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ici? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qu'est-ce qu'elle fait après? Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Ici, elle fait quoi? Donc, je vois qu'il y a Marie qui dit « Elle coiffe Eric ». Ça, c'est une des choses qu'elle a fait, c'est vrai. Elle coiffe Eric, elle lave Eric, elle donne à manger à Eric. Ici, je vois, elle passe l'aspirateur, c'est bien. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? ¿Qué está haciendo aquí? Sí. Mettre les vêtements à son bébé. Sí. Es verdad. La mamá de Eric, la mamá de Eric, elle fait beaucoup de choses pour Eric. Entonces, todo lo que ella está haciendo de vestirlo, de peinarlo, de lavarle los dientes, de darle de comer. Si lo podemos resumir en algo, sería en s'occuper de son enfant. S'occuper de son enfant es cuidar a su hijo. Ella cuida a su hijo. Ça, c'est s'occuper de son enfant. C'est l'ensemble d'activités qu'un parent doit faire pour prendre soin de son enfant. S'occuper de son enfant es la manera más general de decir todas las actividades que ella hizo por su hijo. Entonces ahí está bañarlo, lavarle los dientes, darle de comer, ponerlo a jugar. Todo eso es s'occuper de son enfant. Et là je vois, Janet elle dit, elle repasse le vêtement, elle s'occupe des vêtements. Oui, ça c'est une bonne chose. Donc l'action, planchar, en espagnol, se dice faire du repassage en français. Faire du repassage. Et ici, quand on voit qu'elle fait quelque chose avec un aspirateur, on dit passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Ce sont des activités. S'occuper de son enfant, faire du repassage, passer l'aspirateur. Ce sont des activités quotidiennes à la maison. Ici, quand je vous ai dit s'occuper de son enfant, c'est que la maman d'Eric aide son enfant pour se réveiller, pour se laver, pour s'habiller, pour se coiffer, pour manger. Le verbe ici, c'est laver, s'habiller, se coiffer, se réveiller, ce sont des verbes pronominaux. Estos verbos que vemos acá se llaman verbos pronominales. Esto no lo vamos a ver hoy, pero se los pongo aquí ahora para que lo tengan en cuenta. Esto lo van a ver la semana próxima con David. Vous allez voir ça la semaine prochaine avec David. Ici, on travaille encore sur les activités de la maison. Ici, je vois, donc vous me l'avez déjà dit, elle fait les courses, faire les courses. Acheter quelque chose au supermarché, on peut dire aussi faire les courses. Faire les courses es mercar en espagnol. Faire les courses. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici, dans cette photo? Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, cuisiner. Cuisiner, ça c'est le verbe, cocinar. Mais aussi, on peut dire, je vois qu'il y a des gens qui disent préparer les repas, faire la cuisine. Donc, c'est faire le repas, faire à manger, faire la cuisine. Ça, c'est d'autres manières de décrire une activité quotidienne. Mais nous pouvons tout de même utiliser cuisiner. Elle cuisine ou elle fait à manger, elle fait le repas. Et à la fin, je vois Marie qui nous dit elle fait la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est l'activité. Faire la vaisselle.
Faire le repas, faire à manger, faire la cuisine, faire la vaisselle. Donc, cette vidéo nous a permis d'introduire les tâches ménagères. Les tâches ménagères, ça veut dire quoi, une tâche ménagère? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Que quiere decir tâche ménagère en français? Si je vous avais déjà expliqué que une tâche ménagère, ça peut être faire la vaisselle, faire à manger, faire les courses, habiller son enfant, s'occuper de son enfant. Ok, je vois une réponse. Oui. Oui, son las tareas del hogar o los quehaceres del hogar, por ejemplo. C'est tout l'ensemble des choses qu'on doit faire pour que notre maison fonctionne bien. Parce qu'il faut nettoyer, il faut faire à manger, il faut sortir la poubelle, il faut s'occuper de ses enfants. Los oficios, las tareas de la casa. Je vous donne d'autres exemples des tâches ménagères. On peut nettoyer la salle de bain. Donc, ici, je vous donne quelques verbes qui vont vous servir pour décrire des tâches ménagères. Donc, il y a nettoyer la salle de bain, nettoyer la cuisine ou nettoyer les salons. Passer l'aspirateur ou la serpillière. Balayer ou bien passer le balai. Faire la vaisselle, faire la lessive, faire le lit ou faire la cuisine. Faire du repassage, étendre les langes, sortir la poubelle, ranger la maison. Tout ça, ce sont des activités quotidiennes. Je veux savoir, ici je vous ai mis quelques photos. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Comment s'appelle cet outil? Comment se llama este utensilio en français? Avec, ici, je vous ai déjà donné la réponse. En esta lista, ya les puse cómo se llama este utensilio en francés. Je veux que vous devinez, quiero saber si pueden adivinar cómo se dice este utensilio en francés. Cómo se dice trapero en francés. Je vous l'ai déjà mis par ici. Pero, comment s'appelle cet outil? Comment se llama eso? Sí, elle est en train de nettoyer, ça c'est sûr. Je vois quelques personnes qui ont déjà la réponse. Et celui-là, lequel des deux c'est... Je vois, oui, ça c'est la serpillière. Donc, on passe la serpillière. Passer la serpillière es trapear. Passer la serpillière. Serpillière. Passer la serpillière. Et à côté, il y a le balai. Le balai est la escoba. Le balai. Le balai. Donc, on peut dire balayer. Balayer. J'ai balayé ma maison. Ou bien, je passe le balai. Hay dos maneras de decir. Balayer ou bien passer le balai. Esto es barrer. Le balai. Le balai, c'est la escoba. La serpillière es la trapeadora. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Cuando vamos a lavar la ropa. Comment on doit dire ça en français? Lavar la ropa. Ici, je vous l'ai déjà mis. Ça, c'est quoi? Ça correspond à quoi? De cette liste, cette photo correspond à quoi? Comment on dit lavar la ropa en français? Alejandra, Amado, ça c'est étendre les langes et tender la ropa. Ça c'est tender la ropa. Étendre les langes et tender la ropa. Alors que je vois qu'il y a une personne qui a répondu, Jensi aussi. Donc c'est faire la lessive.
faire la lessive. Faire la lessive. Es un poco extraño para mí porque lessive también es detergente. La lessive es el detergente también. Entonces, es, para mí suena como hacer el detergente, pero en realidad, faire la lessive es lavar la ropa. Faire la lessive. Oui, vous pouvez dire oui, je vais laver mes vêtements. Mais il y a une expression, donc faire la lessive es lavar la ropa. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est l'activité quotidienne que cette personne est en train de faire? Oui. Super. Très bien. Faire le lit. Faire le lit. Faire le lit, tender la cama, hacer la cama. Faire le lit. Faire le lit. Et ici, on me l'avait déjà dit, c'est étendre les langes. Étendre les langes. Étendre les langes. Et se tender la ropa. Le lange est comment la ropa, les langes. Étendre les langes. Donc, faire le lit, étendre les langes. Donc, voilà, je vous ai déjà présenté pas mal des tâches ménagères qui vous donnent avant. Vous pouvez vous servir de ces vocabulaires pour l'utiliser quand vous êtes chez vous. Donc, une recommandation que je vous donne, c'est de l'heure que vous allez faire le ménage chez vous, vous allez pratiquer. Et vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Cuando vayan a hacer la limpieza en la casa o vayan a hacer alguna actividad, ya quiero que empiecen a reflexionar y decir, ah, esto que estoy haciendo, ça se dit comme ça en français. Si voy a pasar, voy a barrer, entonces ustedes van a decir, ah, je vais balayer, je vais balayer, o j'ai balayé ma maison. Pour que vous ayez en tête toutes les vocabulaires et que vous commencez à l'intégrer dans votre vie quotidienne. Ici, je vais vous donner un exemple pour décrire les activités quotidiennes des tâches ménagères. Donc, ceci, ce sera un petit texte où j'ai décrit des activités quotidiennes. Je vais vous donner une minute. Je vais vous donner une minute pour que vous lisiez cet texte et ensuite je vais le lire pour que vous puissiez faire la différence entre comment vous l'avez lu et comment je vais le prononcer. Ahora les voy a dar un minuto para que lean este texto. Quiero que lo lean, leanlo en voz alta en su casa para ver si ya lo están pronunciando mejor que antes, de acuerdo con todas las reglas que les hemos mostrado de conjugación y además, como ya nos han escuchado mucho decir varias palabras, ya están pudiendo saber cómo se dice. Voilà, je vous donne une minute. Est-ce que c'est bon? C'est bon, vous avez lu tous les textes? Tous les textes? Ok. Edouard, c'est bon. Pour les autres, ok. Ok, donc je vais maintenant, je vais le lire. Dimanche, c'est la journée pour faire le ménage. D'abord, je fais mon lit et j'arrange ma chambre. Après, je lave la salle de bain et je nettoie la cuisine. Puis, je fais la lessive et j'étends les langes. Ensuite,
Je passe l'aspirateur et la serpillière. Enfin, comme récompense, je commande une pizza et je mange devant un bon film. Oui, c'est vrai, Maléha. Marie, oui, tu peux dire le dimanche. Oui, le dimanche. Le dimanche. Le dimanche, c'est la journée pour faire les ménages. Oui, c'est vrai. Le dimanche. Oui, tu peux dire le dimanche, c'est vrai. Là, ici, je me suis trompée, j'aurais dû mettre le dimanche. Aquí me... Es verdad, Mari, tenía que colocar le dimanche, el domingo. Y no solo domingo. Donc, comment ça a été? Enfant, enfant. C'est un poquito como enfant, oui. Enfant, enfant. Un, enfant. Après, d'abord, comment ça a été? Est-ce que vous trouvez que vous avez bien prononcé ou est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent encore? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la pronunciación por su parte cuando leyeron? ¿C'était mieux ou il faut encore travailler sur quelques cas de prononciation? Oui, j'ai pu le lire encore une fois. Attends, je vais déjà le corriger, comme ça on n'a pas d'erreurs par la suite. Alors, le dimanche, c'est la journée pour faire le ménage. D'abord, je fais mon lit et je range ma chambre. Après, je lave la salle de bain et je nettoie la cuisine. Puis, je fais la lessive et j'étends le linge. Ensuite, je passe l'aspirateur et la serpillière. Enfin, comme récompense, je commande une pizza et je mange devant un bon film. Ok, je vois pas mal de « comme si, comme ça ». Nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Ici, O, I, E, tu prononces OUA, je nettoie la cuisine. Je nettoie la cuisine. Je passe, j'étends, je lave, je fais, je range. Ok, donc, ce n'est pas grave, l'idée... Pour vous, c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup d'exercices. Et aussi, l'idée, c'est que, en plus de faire des exercices, juste de l'écriture, vous devez, chez vous, pratiquer en lisant vos choses, les choses que vous faites. Et en écoutant beaucoup de la musique, des films, des vidéos. Une très bon exercice, c'est quoi? C'est de reprendre les cours précédentes, revoir les vidéos et écouter et répéter. Ça, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Ok, voilà. Bon, j'ai souligné quelques mots en rouge. J'ai souligné quelque chose en rouge, donc d'abord et après, puis ensuite, enfin. Quelle est l'utilité de ces mots? Quelle est l'utilité de mots d'abord et puis ensuite, après? Quelle est l'utilité de ces mots? ¿Cuál es la utilidad de esas palabras? Oui. Conecteur.
fréquences. C'est plutôt des connecteurs. Des connecteurs. Des connecteurs qui vont vous aider à faire quoi? C'est des séquences, oui, aussi. C'est des connecteurs pour la séquence. Bravo. Donc, ça vous aide à établir une séquence, c'est-à-dire une chronologie. C'est des connecteurs qui vous aident à établir ou à indiquer une chronologie. La chronologie pour donner, comme ça, vous allez donner une structure à votre discours. Ça, c'est l'idée. Je voudrais savoir à quel moment, quand vous commencez à écrire un texte ou que vous voulez parler et exprimer vos idées, à quel moment allez-vous utiliser d'abord? Quand est-ce que vous utilisez d'abord? Je vous écoute. Oui, pour commencer. Oui, pour commencer. D'abord, c'est pour commencer. Très bien. Al principio, c'est pour commencer. D'abord, c'est pour commencer. Et à quel moment allez-vous utiliser les mots comme après, puis, ensuite, et? À quel moment allez-vous l'utiliser? Ces mots après et puis ensuite, vous les utilisez à quel moment? Quand vous parlez ou bien quand vous écrivez un texte? Quand est-ce que vous allez les utiliser? Oui, c'est pour des conséquences, mais... C'est plutôt, oui, si, c'est des connecteurs. C'est des connecteurs pour les utiliser au milieu d'un texte. Donc, vous pouvez l'utiliser au milieu d'un texte et vous les utilisez aussi pour rajouter des idées. Donc, vous donnez une idée, ensuite, vous rajoutez une idée. La idea con estos conectores, après et puis ensuite, es de agregar más ideas a un texto. Donc, c'est pour continuer à rajouter des idées. Et enfin et finalement, pourquoi on utilise ou quand est-ce qu'on utilise ces types de mots? Enfin ou finalement, vous l'utilisez quand? Oui, très bien. Pour finir, pour terminer. À la fin, comme conclusion, pour terminer. Très bien. Pour finir, oui, finalement, enfin, juste pour donner une fermeture à ce que vous disiez. Ok, très bien. Maintenant, c'est à vous de me dire quelque chose. J'ai quelques questions pour vous. Et vous, avec quelle fréquence faites-vous les ménages? Avec quelle fréquence faites-vous les ménages? Et quelle est la tâche ménagère que vous aimez le plus ou bien la tâche ménagère que vous détestez le plus? Dites-moi. Avec quelle fréquence faites-vous le ménage et quelle est la tâche ménagère que vous aimez le plus ou que vous détestez le plus? Los leo, voy a ir a prender la luz. Ah oui. Marie, tu fais les ménages tous les jours? Quelquefois. Je voudrais des phrases complètes. Quiero ver frases completas, no solo tous les jours ou quelquefois. J'ai vu vraiment, je dis, je fais les ménages tous les jours, je fais les ménages quelquefois. Ah.
Ok. Je vois, il y a Marie qui dit, je déteste repasser les longes. Je fais le ménage chaque semaine. Ah. Ok, Rosalie dit, je fais le ménage 3 fois par semaine. La tâche ménagère que j'ai est, c'est prendre la linge. J'ai fait toujours le ménage. Ok, je fais le ménage de lundi jusqu'au jeudi. Ah oui, vous êtes très courageux. Je vous félicite. Je n'aime pas faire la vaisselle. Ok, je fais le ménage tous les samedis. Ok, bah très bien. Ici, je vous donne quelques exemples pour donner un peu. Ici, ce sont des exemples comment on peut formuler des phrases comme réponse. Déjà, des réponses que vous donnez, c'est bien. Donc, ici, je vous dis, j'ai fait souvent le ménage. Et attention, le mot ménage, c'est un singulier. Donc, on dit, j'ai fait souvent le ménage. Je fais souvent le ménage. C'est pas les ménages, mais le ménage. Esto es para la limpieza. Si ustedes dicen les ménages, están hablando de una casa, como de una familia. Donc, je fais souvent le ménage, environ 4 fois par semaine. Je ne fais jamais le ménage, c'est mon copain qui le fait. Ou je fais les ménages 1 fois par semaine, tous les dimanches. J'aime beaucoup passer l'aspirateur. J'ai fait les ménages tous les jours avec ma femme. Attention, donc il faut conjuguer le verbe faire. Donc c'est pour ça on doit dire je fais le ménage et pas je vais faire le ménage. Attention, et siempre les recuerdo, faire les ménages es l'actividad. Hacer los quehaceres de la casa o limpiar la casa. Pero si ustedes van a decir que ustedes limpian la casa, ya no pueden, ya tienen que conjugar el verbo faire. Entonces, por eso se dice, je fais le ménage. Por ejemplo, ecotecnología, tú debes decir, je fais le ménage tous les jours avec ma femme. Je déteste limpiar. Je déteste nettoyer, nettoyer. Je déteste nettoyer la salle de bain. J'aime beaucoup passer l'aspirateur. J'ai fait les ménages tous les vendredis. D'abord, je fais mon lit et je prépare mon petit déjeuner. Ensuite, je fais la lessive et je nettoie ma maison. Je fais toujours la cuisine. Tous les jours, je fais les ménages. J'adore passer le chiffon. Je déteste cuisiner. Je déteste laver. Je déteste faire la vaisselle et nettoyer la salle de bain. On peut dire aussi, bah ici je vous ai mis d'autres exemples. J'aime faire mon lit tous les matins. Je déteste passer la serpillière. J'aime nettoyer la cuisine. Je déteste sortir la poubelle. Entonces, aquí yo veo un. Para que no caigan en la trampa, es que cuando ustedes dicen yo hago algo, si lo conjugan. Entonces, je fais le ménage, yo hago la limpieza o yo limpio. Pero cuando ustedes dicen que aman algo, van a utilizar aimer, le verbo aimer, vous allez les conjuguer et ensuite vous allez utiliser les verbes à l'infinitif. Donc, j'aime faire mon lit. J'aime faire mon lit. Je déteste passer la serpillière. Je déteste nettoyer la salle de bain. Ou j'aime nettoyer la cuisine. Je déteste nettoyer la cuisine. Je déteste sortir la poubelle. Je déteste beaucoup repasser les linges. Ok. Et una. Attention aussi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Un jour est masculino. Donc, ça dit tous les jours et pas tous les jours. Decimos tous les jours. Tous les jours et pas tous les jours. Que fueron cosas que vi ahí en lo que llaman escrito. Voilà, bah, très bien. Je vois que vous commencez à écrire mieux.
Juste des petites fautes, mais ce n'est pas grave. Ya veo que empiezan a escribir un poco más y que aunque hay algunas fallas, se pueden corregir. Entonces, para eso estamos. Ok. Mais on ne peut pas faire que des tâches ménagères parce que on n'aime pas. On doit les faire, mais on n'aime pas. On doit aussi parler des loisirs. Je vous avais déjà parlé de ces mots avant. Les loisirs, qu'est-ce que ça veut dire, loisir? Qu'est-ce que ça veut dire, un loisir? Est-ce que ça vous parle, des loisirs? Ok. Les loisirs. Hobbies, pasatiempos. C'est une bonne réponse. Aficiones. Oui, des loisirs. C'est des choses pour occuper ton temps. C'est-à-dire pasatiempos, hobbies. Tout ça. Est-ce que vous savez dire quelque chose ici? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on est en train de représenter avec ces photos? Quelles actions, quels loisirs nous sommes en train, je suis en train de représenter avec ces photos? Ici, je vous présente quelques photos. Quelles sont les activités ou les loisirs que je présente avec ces photos? Il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà parce que c'est un thème qu'on a déjà étudié. ¿Qué actividades de acá ya saben decir en francés? Vous avez déjà dire un peu cela et celle-là. Au moins, ces deux-là, vous savez déjà les dire. Estas dos actividades, al menos, ya saben decirlas porque eso es un tema que ya vimos. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez comment dire cette activité? Ou pas? Est-ce que vous vous souvenez de comment dire cette activité ou cette activité? Celle-là aussi. Celle-là, on peut aussi la dire. Comment se dice? Comment se dicen estas actividades en français? Celle-là, c'est un peu plus difficile, mais celle-là, vous savez déjà la dire. Celle-là aussi. Mm-hmm. Oui, faire du vélo, ça c'est bien. Et celle-là aussi, vous les connaissez. Jouer de la guitare, c'est bien. Et celle-là. Il touche la guitare, oui. Jouer de la guitare, on va les voir. Celle-là, c'est faire de la natation, on va les voir. Les activités que je vous présente, ou les loisirs que je vous présente, c'est jouer aux échecs. Aux échecs, jouer aux échecs. Jouer aux échecs, voyager, jouer de la guitare, faire du vélo ou faire de la natation. Jouer aux échecs. Voyager, jouer de la guitare, faire du vélo et faire de la natation. Ici, il y a d'autres activités. Pouvez-vous me dire quelles sont les activités que je présente ici? Quelles sont les autres activités que je présente ici? C'est là où vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est. C'est là aussi. Oui, écouter de la musique, très bien. J'écoute de la musique. J'aime écouter de la musique ou j'écoute de la musique. Celle-là ou celle-là, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, c'est un peu plus difficile, donc je ne pense pas que vous allez la voir, mais celle-ci, oui. Regarder la télé. Esther. Para ver la televisión o ver una película, utilizamos el verbo regarder.
Porque el verbo voir es solo como ver. Ver es como mirar. Entonces, regarder es que si estás poniendo atención. Entonces, c'est pour ça que tu dis regarder la télé et pas voir la télé. Je regarde la télé. Ici, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ou ça? Ça, vous devez savoir. Jouer les PC games. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Lire un livre. Très bien. Et ça, c'est faire du jardinage. Faire du jardinage. Faire du jardinage. Et ici, lire un livre. Faire les jardins ou jouer du jardinage. Lire un livre. Lire un livre. Je lis un livre. Leo un livre. Lire un livre. Je joue aux jeux vidéo. Donc, tout ça, ce sont des activités. Donc, je vais faire une petite rappel pour le verbe faire et les sports. Ici, on dit j'ai fait du vélo, il fait de la natation, nous faisons de l'équitation, vous faites des mots croisés. Ici, on utilise faire comme synonyme de pratiquer. Je fais du vélo, es practico cyclisme, j'ai pratique le cyclisme, j'ai pratique de la natation, j'ai pratique l'équitation. Plutôt ici, pas. Je fais des mots croisés, pas. Là, ici, on ne fait pas beaucoup de pratique. Mais donc, on utilise le verbe faire plus la préposition de avec tous les sports. Donc, j'ai fait du vélo, de la natation, du basketball, j'ai fait du handball, j'ai fait du baseball, j'ai fait du tennis. Avec tous les sports, ça marche. Par contre, nous ne pouvons pas dire j'ai fait du poker. Non, j'ai fait du jeu vidéo. Non. Parce que, c'est-à-dire que vous le faites. C'est comme hacer. Ne jamais utiliser le verbe faire avec les jeux vidéo. On va utiliser faire avec les sports. Et attention, donc c'est faire plus de. Et cette préposition « de », on va la transformer en fonction du mot qui suit. Donc, si le mot est masculin, vous allez utiliser « de ». Si le mot est féminin, qui ne commence pas par voyelle, vous allez utiliser « de la ». Et si le mot commence par voyelle, vous allez utiliser « de » plus « et » l'apostrophe. Et si le mot qui suit est au pluriel, vous allez utiliser des. D-E-S. Esto ya lo tienen que tener bien interiorizado. Y es que cuando van a utilizar un verbo con una preposición, esta preposición que sigue va a estar transformada de acuerdo a la palabra que sigue. De acuerdo a la palabra que sigue. Dependiendo si esa palabra es femenina, masculina o plural. Attention, Edward. Donc, je vais revenir à ça. Donc, ça, c'est pour le verbe faire. Vous l'avez déjà vu avec David. Ça, c'est un rappel. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles choses. Avec le verbe jouer. Donc, on dit je joue aux échecs ou je joue aux jeux vidéo. Il joue au basketball. Il joue au handball. Il joue au rugby. Elle joue au tennis. Elle joue au badminton, elle joue au baseball. On joue au poker, au Monopoly. Nous jouons de la guitare. Vous jouez du piano. Il joue de l'accordion. Alors, attention, parce que pour les verbes jouer, il y a deux formes. Il y aura jouer plus la préposition à. Et jouer plus la préposition de. À quel moment nous allons utiliser jouer plus la préposition à? Avec ces exemples. Con estos ejemplos. Cuando vamos a utilizar jouer plus la préposition à?
J'ai joué aux échecs, j'ai joué au basketball, j'ai joué au poker. Quand est-ce qu'on utilise avec la préposition à? Quando? Quando? Quand? Je ne vois pas de réponse sur le chat. Pronom personnel? Plutôt, ici, je vous dis, faire plus 2 avec les sports, jouer plus A avec quoi? La préposition A, ici, elle se transforme. C'est comme je les dis. La préposition A, ella se transforma dependiendo la palabra que sigue. Ella se va a transformar en O, ou en ala, ou en OAUX, selon les mots qui suivent. Donc ici, j'ai dit, je joue aux échecs, parce que ce sont les échecs. Je joue au basketball, parce que c'est le basketball. C'est-à-dire que je vais utiliser la préposition jouer à pour des sports avec un ballon ou une balle et pour des jeux. Ici, c'est l'exemple. Je joue aux échecs. Je joue aux jeux vidéo. Ce sont des jeux. Utilisons jouer con la préposition a, pero transformada dependiendo de la palabra que sigue, para los juegos. Je joue au poker, je joue au Monopoly, ou je joue aux échecs, je joue aux jeux vidéo. Et alors, jouer plus 2, c'est bien Rosario, c'est avec des instruments de musique. Nous jouons de la guitare, vous jouez du piano, il joue de l'accordéon. C'est les deux différences. Oui, je joue à la pétanque. Tu dis, Edward, tu dis, je joue à la pétanque. La pétanque. Parce que la pétanque est féminin. Donc tu dis, je joue à la pétanque. Comme tu dis, je joue aux échecs. Recuerden que cuando les pongo plus deux prépositions ou plus a une préposition, esta préposition se tiene que transformar, como lo hemos visto en las clases anteriores. Si es femenino, si es plural, si es masculino. Voilà. J'ai vu déjà passer aux questions parce que j'ai un exercice. Ah non, ça c'est encore. Oui, j'ai vu savoir. Dites-moi, qu'aimez-vous faire dans votre temps libre? J'ai vu savoir, qu'aimez-vous faire dans votre temps libre? Quels sont vos loisirs? Que faites-vous dans votre temps libre? Que hacen ustedes en tu tiempo libre? J'ai vu savoir. Je vous écoute. Je vais vous noter vos réponses. Qu'aimez-vous faire dans votre temps libre? J'aime faire de la tricotée. J'aime écouter la classe de français. J'aime lire un livre. Écouter de la musique. J'ai lu un livre. Donc attention parce qu'il faut les conjuguer. Donc j'ai lu un livre. Si, soit vous dites j'ai lu un livre ou vous pouvez dire j'aime lire un livre. Ça, c'est les deux possibilités. Oui, donc, oui. Là, ici, je vois j'aime écouter de la musique. J'ai lu un livre, j'aime lire un livre, j'aime écouter la classe de français. Ah, c'est bien, Esther. J'aime écouter la classe de français. Quelles autres choses faites-vous dans votre temps libre? Dites-moi.
J'aime faire du vélo et jouer de la guitare. Super! Rosario, c'est triste. C'est triste. J'aime écouter la classe de français. Je regarde la vidéo. Je fais de la natation. Sandy, donc c'est dit, je fais de la natation. Attention, on ne dit pas je vais faire de la natation, mais je fais de la natation. Comment ça, Byron, tu n'as pas de temps libre? Là, Byron, il dit qu'il n'a pas de temps libre. Je n'ai pas de temps libre. Ça, c'est triste. C'est triste, ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Je joue au pickball, apprendre le français, danser Argentine tango. Qu'est-ce que c'est le pickball, Gladys? Qu'est-ce pickball? J'ai fait la musique. Luzmaïla, tu quieres dire que tu haces música? Tu compones? Ou tu escuchas música? J'aime lire un livre, je joue au pickleball, apprendre le français, danser les tangos. Tu peux dire j'aime danser les tangos. Ok, donc tu peux dire j'ai fait de la musique, Luz Marina. Tu peux dire j'ai fait de la musique. Yo escribo música. Ok, d'accord, ça c'est très. Je n'avais jamais écouté ça, Gladys. C'est la première fois que j'écoute ça. J'ai fait de la musique et componer. Voilà. Quelle autre chose vous faites? Je chante au karaoké. Ah, c'est cool, Janet. Je chante au karaoké. J'aime lire, me promener, faire les boutiques et dormir. Ouais, ça c'est des bons loisirs. J'aime dormir. J'aime dormir. J'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste. J'ai fait de la couture. Ok. J'ai fait de la couture. Super! Beaucoup, beaucoup de loisirs, c'est sympa. J'aime sortir en promenade. Donc, tu peux dire, j'aime me promener. Tu peux dire, j'aime me promener. J'aime me promener. Je pratique le tennis. Donc, Adrien, tu dis, je pratique le tennis. Le tennis où je joue au tennis ou bien j'ai fait du tennis. Quelles sont les options? Ah, c'est super, Miguel. J'apprends le français de façon autodidacte. C'est une langue que j'adore. Bon courage à tous dans l'apprentissage de la langue. Ah, c'est bien. Je vais à gym. J'aime de la randonnée. J'aime et des sports en plein air. J'ai fait du vélo, je vais à gym. Donc là, Anna, tu peux, pardon, Sandy, tu peux dire, je vais à la salle de sport. Parce qu'en français, ça dit más bien la salle de sport. Je vais à la salle de sport. Vous faites beaucoup de choses et je vous félicite. Parce que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup. Merci de participer. Ça aide beaucoup à la discussion parce que c'est vrai que là, je suis toute seule en train de vous parler. Mais j'aime aussi avoir des retours de votre part. Donc, ça, c'est bien. Et me parece muy bien que puedan participar porque así no solo soy yo hablando, por lo menos puedo leer sus comentarios y así pueden ver qué hacen las otras personas. Ah, Amir, j'aime bien cuisiner des arepas au fromage. Ah, ça c'est parfait. Ok, je vais laisser plutôt l'activité pour que David la fasse la semaine prochaine. Je vais vous savoir si vous avez des questions ou en ce moment. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Qu'il y a des questions? Non. Quelle est la différence entre promener et marcher? Tu peux dire je marche. Tu peux dire je marche ou bien je me promène. Yo camino en español es la misma, pero hay dos maneras de decir je me promène et je marche. Mais les deux sont des synonymes. ¿Cómo saber con qué verbo va la actividad? ¿Cómo así, Sandy? Je me balade aussi. Oui, je me balade. Se balader. Se balader. Es más que todo, también es caminar, pero es como más tranquilo. Lo mismo que la promenada. Se balader o se promener. Je me promène. Donc, ça, c'est se balader. Se balader también se puede utilizar, pero je me balade es mucho más tranquilo. O sea, je me balade dans la ville, es decir, no tengo prisa. Mientras que cuando yo digo je marche, es con un buen paso. Je me promène también puede ser tranquilo. Se promener es pasear. Jouer es faire. Sandy. Jouer et faire es como aquí les mostré en este ejemplo. Tú puedes utilizar faire plus de para cualquier deporte. O sea, faire para cualquier deporte. Todos los deportes funcionan. Faire du tennis, faire du vélo, faire du basketball, faire du handball. Faire lo puedes utilizar para todos los deportes. Y no lo puedes utilizar para los juegos. Entonces, faire nunca puedes decir faire du poker ou faire du monopoly. Eso no lo puedes utilizar. Para eso debes utilizar jouer. Entonces, yo juego monopoly, yo juego poker. Donc, je joue au poker, je joue au monopoly. Jouer lo utilizas para juegos. Y también puedes utilizar jouer para los deportes que sean con balón o con bola o pelota. Juegos de balón o juegos de pelota. Como el basquetbol, el handball, el rugby, el tenis, el badminton, el béisbol, el ping-pong. Tú puedes utilizar je joue au basquetbol, je joue au handball, je joue au rugby. Y jouer también lo utilizas para los instrumentos de música. Jouer pour les instruments de musique aussi. Quelles d'autres questions? Oui, tu peux aussi pratiquer. Pratiquer aussi. Je pratique du tennis. Tu peux aussi dire ça. Je pratique du tennis. Je pratique les échecs. Non. Practicar es más que todo para deportes. Es más para deportes. Je pratique du tennis. Je pratique le football. Pero pratiquer les échecs, como practicarlos, el ajedrez no es tan utilizado. Puede que sea correcto gramaticalmente, pero no es utilizado en francés. O sea, lo más utilizado en francés es faire ou jouer. ¿Es que hay d'autres questions? ¿Hay más preguntas o no? ¿Des questions ou pas des questions? ¿Es que hay encore des questions ou pas? Bon, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais passer aux suivantes. Nous allons nous entraîner ensemble. Entraînons ensemble. Et je vais vous montrer une vidéo et j'ai quelques questions pour vous. Donc, il y a plusieurs questions. J'ai plusieurs questions pour vous. On va voir si on va pouvoir les faire toutes. Je ne sais pas. Je ne pense pas.
Mais on va les voir. Donc, quelles sont les questions que j'ai vous, que vous répondiez? Quelle est la profession de monsieur interviewé? Pourquoi il fait son métier? Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Quel prix a-t-il remporté? Et que signifie l'expression « vivre en autarcie » La vidéo s'appelle « Un potager des champions ». Un potager des champions. Voilà les questions. Quelle est la profession du monsieur interviewé? Pourquoi il fait son métier? Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Quel prix a-t-il remporté? Et que signifie l'expression « vivre en autarcie » On va voir la vidéo. Et Amir, ya llevamos 22 cursos y son 48 cursos. O sea que vamos a seguir con más cursos. Todos son por la plataforma de Colombia Nos Une. Y como lo mostré al principio, puedes ver en el blog de nuestro curso las clases anteriores. Puedes ir al video de la clase anterior, de las clases anteriores y también las presentaciones de las clases anteriores. Más los ejercicios de las clases anteriores. Así puedes ponerte al día. Ok, donc on va regarder la vidéo. Francis, vous êtes jardinier depuis combien de temps? Depuis 35 ans, ouais. À peu près. C'est une passion? Oui, c'est une passion. C'est venu comment? C'est venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé, et puis après ça devient une passion, quoi. Et après, on n'en sort plus. Alors, la surface, elle fait combien de mètres carrés et vous nourrissez combien de personnes avec? Alors là, j'ai à peu près 1000 mètres carrés et je nourris à peu près 4 familles. On vit presque en autarcie. Ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier? Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a d'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers parce que pour moi, ça vaut des fleurs. On va les réécouter parce que c'est vrai que ça va vite. Je ne veux pas mettre le sous-titre. Francis, vous êtes jardinier depuis combien de temps? Depuis 35 ans, ouais. À peu près. C'est une passion? Oui, c'est une passion. C'est venu comment? C'est venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé. Et puis après, ça devient une passion, quoi. Et après, on n'en sort plus. Alors, la surface, elle fait combien de mètres carrés et vous nourrissez combien de personnes avec? Alors là, j'ai à peu près 1000 mètres carrés et je nourris à peu près 4 familles. On vit presque en autarcie. Ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier? Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a d'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers parce que pour moi, ça vaut des fleurs. Bon, ça veut dire quoi un potager? Que signifie potager en français et en espagnol? Que signifie potager en espagnol? Très rapido, c'est très rapide. Que signifie le mot potager? Oui, oui, una huerta. C'est un potager, c'est una huerta. Alors, c'est... Non, un potager, c'est una huerta. Alors, pour les questions. Quelle est la profession de monsieur interviewé? Quelle est la profession de monsieur interviewé? C'est presque agriculteur. Mais vous avez vu, c'est lui-même qui récolte tout à la main. Il récolte les choses à la main. Oui. Et pourquoi il fait son métier? Je vois qu'il y a déjà une personne qui a répondu. Et pourquoi il fait son métier? Il est jardinier. Il n'est pas agriculteur, il est jardinier.
jardinier. Vous avez pu entendre pourquoi il fait son métier? Il est surfeur. Oui, non, est surfiste, Pipe. Non, est surfiste, il est jardinier. Pourquoi il fait son métier? Je vais vous mettre... oui, le Glaïs, elle a dit quelque chose. C'est venu comment? C'est venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé. Et puis après, ça devient une passion, quoi. Et après, on n'en sort plus. Alors, la surface, elle fait combien de mètres carrés? Et vous nourrissez combien de personnes avec? Alors là, j'ai à peu près 1000 mètres carrés. Ouais. Et je nourris à peu près 4 familles. On vit presque en autarcie. Ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier? Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a d'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers parce que pour moi, ça vaut des fleurs. Et je vois... ok. Donc, pourquoi il fait son métier? Donc, il est jardinier. Et pourquoi il fait le métier? Donc, je vois... Par passion, c'est sa passion pour loisir. Oui, donc il dit que d'abord, c'est parce que d'abord il cherchait un loisir, après c'est devenu une passion. D'abord, c'était son loisir. D'abord, c'était son loisir, c'était son passe-temps. Al principio, cuando él empezó a ser jardinero, era simplemente un pasatiempo. Pero con el pasar del tiempo, se volvió su pasión. C'est devenu une passion. Devenir es que se vuelve. Devenir. Devenir. C'est devenu une passion. Parce que d'abord, il cherchait un loisir. Après, c'est devenu une passion. Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Et quel prix a-t-il remporté? Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Et quel prix a-t-il remporté? Comprenez-vous cette expression? Remporter un prix? Qu'est-ce que ça veut dire, remporter un prix? Qu'est-ce que ça veut dire, remporter un prix? ¿Qué quiere decir remporter un prix en espagnol? Je vois pas des réponses, je vois des gens qui disent passion. Que quiere decir remporter un prix? Non, un prix es el precio, mais un prix aussi es un premio. Un prix también puede ser es un precio, pero también es un premio. Donc, c'est remporter un prix qui veut dire ganar un premio. Ganar un premio. Alors, j'ai vu déjà la réponse. La surface fait environ 1000 mètres carrés. Mais quel prix a-t-il remporté? Ça veut dire que premio se ganó. Parce que dans la vidéo, on parle d'un potager des champions. Un potager des champions. Quel prix a-t-il remporté? Parce que pourquoi est-ce qu'il a été interviewé? Ustedes entendieron en el video por qué lo entrevistan a él. O no. Tal vez no lo vieron. Lo que pasa es que a él lo entrevistaron en el video porque él se ganó le prix du meilleur jardinier. Se ganó el premio. Le prix es un premio. Un prix es un precio también, pero un prix dans ce cas es un premio. Y remporter un prix es ganar un premio. Donc, il a gagné
Le prix du meilleur jardinier. Le prix du meilleur jardinier. Él se ganó el premio del mejor jardinier. Vamos a verlo aquí de nuevo. Francis, vous êtes jardinier depuis combien de temps ? Depuis 35 ans, ouais. À peu près. C'est une passion ? Oui, c'est une passion. C'est venu comment ? C'est venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé, et puis après ça devient une passion, quoi. Et après on n'en sort plus. Alors la surface, elle fait combien de mètres carrés ? Vous nourrissez combien de personnes avec ? Alors là, j'ai à peu près 1000 mètres carrés, ouais. Et je nourris à peu près 4 familles. On vit presque en autarcie. Ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier ? Oui, ça fait plaisir, Yann Rob. Là, il dit, ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier ? Que si le gustó haber tenido el premio del mejor jardinier. Un prix du meilleur jardinier. El premio del mejor jardinier. Donc, c'est ça qu'il veut dire, un prix du meilleur jardinier. Prix du meilleur jardinier ? Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a d'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers parce que pour moi, ça vaut des fleurs. Et c'est pour ça que la vidéo s'appelle « Un potager des champions ». C'est comme « La huerta del campeón » parce que c'est lui qui a gagné le prix du meilleur jardinier. Se llama La Huerta del Campeón el video porque es él el que se ganó el premio del mejor jardinero, pienso que de Francia. Oui, on va voir c'est quoi l'autarcie. Ah, c'était une question que j'ai pour vous. Est-ce que vous comprenez l'expression vivre en autarcie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il dit j'ai nourri 4 familles. Dans la vidéo, j'ai nourri 4 familles. On vit presque en autarcie. C'est ça qu'il dit dans la vidéo. J'ai nourri 4 familles. Oui, mais ça veut dire quoi la autarquie? Que significa autarquía? Ça veut dire quoi? Elle dit qu'elle alimenta 4 familias con su jardín. L'expression, elle veut dire quoi? La autarquía, que significa? Oui, ne pas avoir besoin d'autres personnes. C'est ça. Dans la vidéo, il parle donc. Vivre en autarcie, le mot autarcie, la traduction en espagnol est autarquia. Et ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire vivre en autonomie, avoir les ressources pour être autosuffisant. Et Gladys, ça c'est vivre en communauté. Vivir en comunidad es vivre en communauté. Ici, c'est vivre en autarcie. Tu puedes vivir en autarquia. Sin tener que vivir en comunidad. Mais dans ces cas, lui, il vit en communauté et presque en autarcie. Parce qu'il vit en autonomie et il a les ressources suffisantes pour être autosuffisant. Dans la vidéo, on parle de autarcie alimentaire. C'est-à-dire produire sa propre nourriture sans dépendre de la chaîne de production alimentaire. Entonces, en el video, como él cultiva casi todo lo que se come, él no depende de la cadena de producción de alimentos. Pero él dice en el video que él vive casi en autarquía. Il vit presque en autarcie, porque tal vez en su comunidad igual compran cosas del supermercado. Mais c'est ça l'idée de la vidéo avec le potager. Il a fait de son loisir sa passion. Faire de son loisir sa passion. Hacer de su pasatiempo su passion. Je vois qu'il est déjà 8h30. Donc, c'est la fin du cours. Je vous dis merci beaucoup parce que c'était un bon cours. On a beaucoup participé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Et on se retrouve mardi 28 septembre avec David.
Estelle, quels sont les meilleurs hostels à Paris économique? Oh. Estelle, je n'habite pas à Paris, désolée. Nunca me queda ningún hostal en París porque no vivo en París. He ido a algún hotel, busca Hotel F1. Son hoteles más baratos, pero no son hostales. Hotel F1. O buscan Hostel World. Ok. Au revoir. Bonne soirée. Et no olviden ver el sábado el test para que lo hagan y puedan acceder al curso de conversación. Au revoir.